Chacha Family. Bon, cette fois-ci, c'est le dernier jour. Je suis rouge comme un coq. Bon, là, on va aller déjeuner à volonté. Et ensuite, on va aller se baigner à la mer. Tout le maillot. Voilà. Ça va chauffer sur les coups de soleil, je pense, aujourd'hui. Je vais mettre de la crème avant de partir. Je vais pas voler. Bon, allez. T'es prête? T'es prête? Ouais. Bon. Toi aussi? Tu te sens en pyjama, toi? Le pyjama des pauvres, là. Non, mais toi, ça va, c'est un pyjama. Petit déjeuner. Chérie, on va prendre le beignet, on va te faire des coups. Voilà. Voilà. Je me suis fait griller des tartines de pain là-bas, j'attends que ça grille. Et puis je vais déjeuner, mon chocolat, mon jus d'orange. Voilà, moi j'ai pris ça, un donut, croissant, beurre confiture. Pourquoi? C'est pas bon? Hein? Tu me fais peur là. Parce que moi je suis très... chocolat. Je suis très spéciale avec le lait. Tiziane, goûte le lait, dis-moi s'il est bon. Moi j'ai pris le café au lait. Goûte. Il a dit que c'était pas du vrai lait. Du café au lait comme en France. Non mais pas de café au lait, il est calor. Le lait du calor. Pourquoi tu l'as trouvé où? T'as mis tout à là ou tout là? Le chaud. Goûte lui, c'est Kellogg's. Donne-y. Attendez. Parce que moi je déteste le lait caillé ou le lait avec un goût bizarre. C'est parce qu'il est chaud. C'est le même goût? Parce que les... Non, les céréales n'ont pas de sucre. Ah, il faut mettre du sucre. C'est le même goût? C'est le même goût, hein? Oui, c'est le même goût. Parce que moi j'ai pris un café, un chocolat, j'espère. Mets du sucre. Moi je dégueule, moi. Je suis très spéciale. Ça fait... J'ai arrêté de boire du lait pendant 4 ans parce que j'avais fait un rêve, mais je vous le raconterai un jour ce rêve. C'était un rêve dégueulasse. J'ai arrêté de boire du lait parce que ça m'a écœuré du lait. Et j'ai arrêté de boire du lait pendant 4 ans. Et un jour j'ai repris, mais j'ai eu du mal. Et maintenant j'ai très peur du goût du lait. Shaïn, t'as pas eu un problème de confiture? Non. Elle a pas rempli un peu sa tartine? Non. Il a fait une montagne? Mais non. Bon, on va à la mer. Qui est là-bas, regardez. Vous avez vu qu'il était là-bas, la mer. Et juste là. Au bout de la rue, regardez. Elle est juste là. Pas ta maline, hein? Tiziane, Tiziane, Tiziane. Tiziane? La grosse chienne. C'était... Ah ben d'accord. Si tu le dis. C'est pas ce que j'allais dire. Quoi? Tu te rappelles pas ce que tu disais? La grosse salope. Non. Non. C'est quoi ce que tu dis? Je m'en rappelle plus. Bon. Allons-y, gaiement. Ouais, c'est trop belle. Avec lui, là, il est sans bruit. C'est trop belle. Il n'y a pas un chat, hein? Bon, ça va, après, il est que 10h du matin. C'est celui-là, le bateau qu'on va prendre. T'es sûr? Ouais. Soit le vert, soit l'orange, ça dépend je crois, le... Je crois que c'est le orange, hein. Le vert c'est le plus court et l'orange c'est le plus long. Ah. Bon, on a, finalement on n'est pas parti à la plage, on attend le bateau. On va aller se baigner. On va aller se baigner, on va aller visiter. Mmh. On attend, là on est au bord du quai. Il n'est pas encore arrivé, je ne sais pas où il est. C'est bien ça, ça fait une petite plage privée. Attends, ils sont pas arrivés encore parce qu'ils sont arrivés après, hein. Ouais, je pense que ouais. Arrivé. Ça c'est les gens de l'autre bateau et notre bateau il est derrière, non? Il arrive. Mais il est trop mimi. Ah oui, il est trop mimi, oui. Il est tout plein de vitres, on va se brûler la peau. Regardez, il est là. Ouais, lui il fait plus luxe, hein. Mais nous c'est plus balade, hein. Ouais, les en touristes. Fait, nous c'est un truc avec comment on appelle ça? On va commencer à marcher quand même parce qu'il faut marcher tout ça. Hein. Ouais, on en a pour un quart d'heure. Hein. Ouais, carrément.
Allez, on marche. On m'a regardé là-bas, c'est blindé. Ils sont tous là-bas, les gens. Je crois qu'ils vont mettre trop. Tu t'es sûr qu'ils vont rentrer trop, tous dans le bateau là-bas? Mais je sais pas. Il doit y avoir trop. Personne qui arrive là-bas, non? Il y a que nous? Bah ouais, il y a que nous. Tant mieux. Voilà, on va monter là. Bah tant mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de place à mettre dedans. On va avoir des beaux poissons là en dessous. Parce que regarde comment c'est vert. Une belle photo, on revient sur le coup. Ouais, c'est vrai. Il n'y a personne. Bon, en fait, c'est un bateau, il prend pas grand monde, je crois. Ben oui. Regarde. Il y a des cabines en bas. Ben, moi, je sais en fait, pas. Je veux juste voir les poissons, hein, je m'en fous. Hein. S'il n'y a pas, je me prends. Déjà, on peut regarder autour et en bas. Chérie, tu attrapes encore plus un coup de soleil. Bon là on est là et après on va aller en dessous. On va aller regarder les poissons. Trop bien. Bon c'est pareil. On est parti. Capitaine Chahine. Tout droit, il t'a dit. Regarde, voilà, regarde la route. Capitaine Tissène. Comment te sens-tu à la place d'un pilote? Thank you.
sur la place au temps. C'est trop beau. On va rentrer là ? Non. Non, on va pas rentrer. Non, on peut pas rentrer là. En fait, on regarde. Bon, mais là on descend, on va voir les poissons. Poussez-vous, j'arrive. Ah, c'est trop beau. Regarde les fraises, c'est pas wow. Mais ils ont beaucoup de poissons là-bas. Ah, mais j'en ai pas beaucoup. Pourquoi tu sèmes? C'est trop beau. Ah, mais il y en a beaucoup! Il se colle à nous. On dirait que c'est une image. Ouais. On dirait pas que c'est une image. Trop bizarre. Mais c'est que le même, hein. Il y a un requin qui vient aller, mais il a bleu. Une baleine. T'es déjà là? Il y a un autre côté, non? Oui, mais c'est pareil. C'est que les mêmes. Oh, regarde. Il y a un bébé là-bas. Regardez, j'ai récupéré des graines pour donner à manger aux poissons. Regardez. Ils viennent tous manger. Regardez. Waouh, c'est trop belle. Ils se battent, hein? Cuando no más, me va para la mano. Bon, mais voilà, c'est le départ, on rentre. Et il fait pas beau, regardez. Il pleut. Donc, ceux qui arrivent là cette semaine, je les plains, j'espère qu'il va pas pleuvoir toute la semaine. Alors moi, du coup, j'ai pris les frites au fromage, un donut, des nuggets. Shane, il a pris des frites. Non frites. Et puis voilà. Donc on pouvait pas partir sans s'arrêter parce que c'est vraiment pas cher et on se remplit bien le ventre. Donc comme ça on n'a plus qu'à arriver, se doucher et se coucher. Voilà. Et on termine par la petite glace, Tissène. On termine par la petite glace. Attendez, je vous montre. Allez. Les Snapchatters là, chantez avec moi parce que je sais que vous connaissez la chanson par cœur. Et ceux qui arrivent sur YouTube là, vous allez apprendre à la connaître. Allez, chantez avec moi. La glace c'est la vie. La glace c'est la vie. La glace c'est la vie. Eh eh, la glace c'est la vie. La glace c'est la vie. La glace c'est la vie. Elle danse comme ça. La glace c'est la vie. Eh eh, la glace c'est la vie. C'est tout. Bon, mais voilà, on a fini là. Alors, je sais pas si je me vois. Oui, c'est bon. Attends, oh, putain, comment je suis rouge. Génial. Tu pètes et tu manges, toi.
Tu fais le hors d'œuvre. Le digestif. Regardez comment je suis rouge. Oh, Tissène, regarde mon nez. Tissène, regarde. Oui, tu sais que t'es... C'est pour ça que les gens ils me regardent des bizarres. Bon, mais là on rentre, là du coup on a 3 heures de route. Les deux zigotos ils vont dormir derrière, c'est sûr. Et puis voilà, je vous montrerai, je sais pas, aujourd'hui ou demain, le bordel qu'on aura arrangé. Ce qu'on a acheté. Ah oui, ce qu'on a acheté. Ce qu'on a acheté, si, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelques petites bricoles. Je vous montrerai ben, là, le prochain vlog, parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, si vous voulez voir ce qu'on a acheté là-bas, les vêtements et tout ça, des trucs trop jolis, ben regardez la suite. Voilà, voilà, on va ranger. Non, je vous montrerai, en fait, je voulais dire le bordel. Le bordel de retour de vacances. Là, c'est le pire, ça. Les machines à laver. Il faut faire les machines à laver. Il faut tout laver. Il faut se laver nous-mêmes. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Allez. Il arrête pas de regarder la glace de Tissène. Il fixe ta glace depuis tout à l'heure, il m'a pas vu. Pourquoi tu fixes sa glace comme ça? Il me prend comme okay, il est jaloux parce que Tissène elle a eu 3 pompes et lui il a eu une pompe. Il a assez. Il a plus que moi là. Oui, t'en as assez. Tout à l'heure, en partant du McDo, il nous a dit je veux 2 glaces, sinon je pars pas. Ah, c'est sûr qu'en France, si, il y a la glace à 1€ comme ça. Non. Chez nous, c'est pas 1€, il y en a pas, si. Il n'y en a pas de glace. Ouais, là, c'est 1€ la glace. La glace italienne, hein, c'est pas cher. Hein. Nous, si on veut une glace italienne. Mais nous, pas très vanille, juste vanille. Voilà, nous, si on veut une glace italienne en France, on a 2,50€, 3€, 3,50€. Ouais. T'exagères.